Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On ne s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi? Doucement. Doucement. Peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Et salut à tous les amis, Zagorstis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'enchaîne l'année 2016 pendant que vous regardez ça en 2017. Le turfu. Aïe. Bon, je vais arrêter avec mes conneries et poursuivons notre aventure. Lara s'est mise en tête de rencontrer un natif et de faire un ami avec eux. Les corbeaux. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Oui, il faut aller faire, le grand tour, comme par hasard. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Je peux pas passer. Bon. Je vais passer par l'échelle, hein. On va voir si je peux pas passer d'une manière plus logique. Oh bah oui, regardez, il y avait une terre royale, je l'avais pas vue. Hop. Il est mort. Ne tirez pas, je ne suis pas hostile. Oula. Qui êtes-vous? Tout ça peut attendre. Si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Acceptez cette mission? Oui. Je vais y jeter un œil. Parfait. Le temps presse. Ross insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tout ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là, mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Bien. Et lui, il me regarde, tranquille. Vous avez terminé? Les émetteurs sont détruits? Je ne les ai pas encore tous trouvés. Mais je m'en occupe. Bon. Dans ce temps-là, moi, je vais faire un petit tour de tout ce qu'il y a. J'ai réussi à infiltrer les rangs ennemis, et j'ai appris qu'ils venaient piller les richesses de la montagne. Ils semblent ne rien savoir du secret que nous protégeons. Ceux qui ont construit la route de fer sont eux-mêmes des prisonniers, les esclaves de l'armée rouge. D'énormes machines empruntent désormais la route de fer, acheminant plus d'esclaves, de nourriture et de matériaux pour la construction d'une petite ville.
Je dois maintenant rejoindre mon peuple, afin que nous puissions mettre en place notre attaque. Si nous arrivons à leur infliger de lourdes pertes avant qu'ils n'atteignent la montagne, ils abandonneront peut-être et feront demi-tour. On en apprend toujours plus, hein. Oh, elle a pas chaud, la petite Lara, hein. Allez, remue-toi, ma fille. Ça va te réchauffer. Oh, l'écureuil. C'est n'importe quoi. On va aller grimper là-haut pour voir ce qu'il y a. Ah d'accord. Je dois faire ça. Facultatif à proximité. Impeccable. Beaucoup de lecture. Nous avons été stupides. Stupides et arrogants. Nous avons cru pouvoir les arrêter. Mais les hommes de l'armée rouge sont bien plus nombreux que nous. Leurs armes sont plus performantes et leur rang augmente de jour en jour. Beaucoup des miens, moi y compris, ont été capturés. Ils nous forcent à creuser les mines de notre propre montagne. Tôt ou tard, ils finiront par découvrir notre secret. Ce jour-là, nous devrons être prêts. La soif de l'être humain qui veut toujours savoir plus de choses qui ne le regardent pas. Pratiquement, dans beaucoup de cas. Bon, je vous dis, je suis un peu perdu. Il y a de quoi escalader un petit peu partout. Ça c'est pour chasser des petites bêtes. Ici il y a un point de mission facultatif. On va aller voir par là. Mais bon, allez, à sa porte. Je vais un petit peu fouiller. Les antennes relais. Elles ont dû être installées par les Trinitaires. Voilà. Silence radio, 1 sur 5. Ralentissement, je ne sais pas d'où ça vient et tant pis. Moi je veux jouer, oublier mes petits soucis. Il y en a qui veulent oublier leurs soucis en se plongeant dans l'alcool. Moi je les oublie en jouant à des jeux vidéo. Certains vont dire c'est pas plus mal, ou alors c'est pas mieux, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je joue parce que j'aime. J'aime ça. Hop. Pièce d'arcapouli, 1 sur 4. Prends la tirée. Tigana. Aïe 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 aïe.
suis un peu paumé. Besoin de soutirer plus d'infos aux prisonniers. Constantin risque de pas apprécier s'il doit s'en charger lui-même. On va lui mettre la pression. Mais on sent qu'il connaît déjà certaines techniques d'interrogatoire. Nous pensons qu'il s'agit du chef des rescapés. Il en sait forcément plus sur la source divine. Prouvez sa faiblesse. Soyez créatif. Ce prisonnier, je peux peut-être le trouver. Ah oui, tout le monde s'y met, on va dire. C'est n'importe quoi. Je regarde tant d'épisodes pour pas vous faire non plus un truc un peu bouseux. Hein. Parce que des trucs bouseux, j'en ai déjà fait, hein. Je le reconnais. Donc on va essayer d'éviter d'en faire trop à nouveau. Amélioration d'armes. Hop, c'est fait. Il meurt de froid la peau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Joli. C'est un petit trou perdu, mais c'est joli. Bon. Ah, mes yeux. Excusez-moi. Allergique à ma propre bêtise, tout va bien. Voilà. Stop les conneries. Tombeau facultatif à proximité. Je m'en fous. Je veux progresser un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie. Utilisation dangereuse. Les monolithes sont inutilisables lorsque l'ennemi est proche. Je ne suis pas assez doué en russe pour déchiffrer tout ça. Mais on dirait une sorte de carte. Un petit peu dangereuse. C'était efficace, ma foi. Hop. La grotte, je peux sortir de là. Je vais le laisser faire. Hop. Des munitions pour une arme que j'ai pas apparemment. Un coffre. Ça fait 10 minutes que je n'avance pas. Ça commence à me saouler gravissime. C'est vraiment pas trop où aller, c'est tellement
vaste. Un couteau de combat est requis pour couper la corde. Je vais descendre. Hein. Même pas mal. Chose là-haut. J'ai un petit peu à certains endroits où je dois pas aller, mais bon. Par contre, là, apparemment, je peux y aller. Là, ça me dit. Paroi à escalader. Oui, merci, je suis pas con. Je suis pas con. J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui surtout? Je sais que tu détestes que je m'absente, mais tu comprendras un jour. Tu verras que c'était utile. Je t'embrasse très fort. Travaille bien à l'école. Je sais que tu pensais faire ça pour moi, mais je ne le ressentais pas comme ça à l'époque. Enfin, ça m'a appris à être indépendante, à me débrouiller toute seule. Ça s'est révélé très utile, finalement. Bon, c'était le petit morceau d'histoire de Mademoiselle Croft. Hop, encore une tour. Enfin, relais. Ah, 3 sur 5. Hop. Je vais monter par là, hein. Parce que le truc là m'inspire même pas confiance. Partie des nouveaux, non? Premier contrat. J'ai des potes qui m'ont pistonné. Ne déconne pas. Tu trouveras pas de meilleur salaire. Mais ils tolèrent aucun écart. Tu viens d'arriver dans la vallée, hein? Ouais, avec le dernier ravitaillement. C'est pas fini, pareil. Ça arrive de partout. Quoi qu'ils préparent, je crois que cette fois, c'est la bonne. Qu'est-ce qu'ils exploitaient dans ces mines? Officiellement, du cuivre. Mais c'était sans doute de l'uranium. Les compteurs GGR sont heureux là-dessous. On a eu du bol cette fois. Hein? Une flèche. Merde, y a du monde dans le coin. Et voilà. Ça c'est de la discrétion, hein. Je vais y de mon fol de camp. Hop. Quoi, une amélioration d'armes? Bah dis donc. Je vais pas le faire tout de suite. Hop. Hop. Encore de la propagande soviétique. Tiens, on ne l'a pas lu cette fois.
cabane à provisions. Utiliser les pièces byzantines pour acheter des objets de technicien lors de la Trinité. Oh oh. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble... je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Ok. C'est pas une bombe. Un type flippant au visage balafré, un certain Constantin, nous a fait un grand discours sur la destinée et quelque chose qu'il appelle la source. Honnêtement, ça m'a encore plus embrouillé. Les autres contractuels ont l'air aussi agités et nerveux que moi. Mais les gars de la compagnie, ceux qui bossent avec les Trinitaires depuis longtemps, ils boivent ses paroles et en redemandent. On se croirait dans une putain de secte. On se prépare pour un assaut. Tu te demandes sûrement contre qui. Il y a des habitants dans le coin, tout droit sortis du passé. Ambiance fourrure, peau de bête et pointe de flèche en fer. On va à leur rencontre avec des hélicos de guerre et des mitrailleuses de calibre 50. Je me suis complètement gouré de camp, putain. Bon, je constate qu'on est quand même à 20 minutes d'épisode et que j'ai toujours pas avancé de manière concrète. Je veux avancer. Je reviendrai ici plus tard en mode épisode bonus. Oui. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'ils s'en prendraient à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Comme ça. Elle ne sait rien. Quoi? Toi? Non. Tu es avec eux? Comment c'est possible?
espèce d'enf... Ah ah. Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va te faire maître ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Terminé. Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas, je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Moi, je compte faire ça ! Comment ça ? Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non, mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Arc courbé. Yay ! Voilà, bah, moi, je vais rester dans cette pièce, et je vais vous dire rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, si vous avez aimé, pouce vert, si vous n'avez pas aimé, pouce rouge, et commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé, j'y tiens tellement. Si vous faites les fous, sortez couverts. Et prenez soin de vous, c'est Dacrostis pour Rise of the Tomb Raider. Brrr. Arrête Lara, tu me donnes froid. Bon, bye tout le monde.